Des ratons, me voilà. Bonjour les gens, bienvenue au Vieux Gamer, ici c'est Papy, sur Journée des Savage Planet, épisode 20. Et oui, déjà l'épisode 20, et j'espère bien que le combat contre Terramoto ne se fera pas en vain, ce qui voudra dire que 20 rimera avec fin, fin de l'aventure. Oh oui, fin de cette longue et magnifique aventure, je suis prêt. Papy est totalement prêt pour rejoindre le vestibule moite et pour descendre à l'assaut de Terramoto. Ou Terratomo. Terratomo, c'est mieux. Oui, c'est plus vrai. C'est pas la moto qui est Terray. Terramoto, non, c'est Terratomo. Tomo. Nous allons sur le sentier de la guerre. Alors là, je vous préviens qu'on va rigoler, parce que d'entrée de jeu, on va se taper une descente là. Une descente de malade à compter de maintenant. Aïe! Non mais moi je voulais rester dans le tunnel. Attention. Ah joli. Aïe à mon bas. Et j'appuie sur le bouton magique à l'assaut de Terratomo. Bon, je vous le dis tout de suite, je n'imagine pas une seconde qu'on va y arriver du premier coup. J'ai d'ailleurs vu la vie qui me reste. Je pense que c'est totalement utopique, les enfants. Mais bon, après tout... On tire. Allez, encore. Je suis malin. Terramoto. Bon, on se calme, gros, hein. Là. Voilà, allez. Aïe. Ça c'est bon ça. Ok. Non mais voyez, quand on y va méthodiquement, mine de rien, quoi qu'on en pense, moi je dis que c'est vachement mieux. Alors, on va prendre tout notre temps dans cette première pause, voyez, parce qu'on a éliminé tout le côté gauche. Hein. Alors là, enfin une bonne partie. Et il y en aura encore, mais on a déjà éclaté une bonne partie du côté gauche. Nous allons prendre notre temps tout simplement pour choper de la vie. Et nous allons y retourner pour rechoper de la vie de l'autre côté, sitôt qu'il aura repopé. On va prendre tout notre temps, hein. Tout le temps nécessaire pour se remettre en totale vie. Alors, on a réussi à tenir, hein, alors qu'on n'avait pas grand-chose. Donc, en reprenant notre vie totale, car nous sommes presque à notre vie totale, je vous dis tout de suite que nous pouvons envisager le meilleur
dès le premier coup. Oh, ce serait tellement magnifique d'arriver à battre Teratomo dès le premier coup. Enfin, dès le premier coup, je m'entends. Dès le premier coup de ce 20e et dernier épisode. En tout cas, j'espère, parce que si ça n'est pas le dernier, c'est que je vais me foirer lamentablement une paire de fois. Ce qui n'est pas dans mes objectifs, je préfère vous le dire tout de suite. Allez, tout le monde est prêt pour le deuxième round? Deuxième round contre Teratomo! Allez, j'aime pas mal. J'aime pas mal. Hop là. Ah ah. Ah. Ok. Non mais alors c'était pas vraiment prévu comme ça justement. Dépêche-toi. Bah, dis donc, salaud là. Tu me compliques la tâche, salopard. Bah. Il va pas être content, bah, il est fâché. Vas-y, change. Hop, parce que très clairement il est fâché. C'était pas vraiment prévu comme ça. Eh oh! Voilà, occupons-nous de la suite du monstre. Oh 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 oh! Allez! Allez! Allez. Et voilà. Alors attends. Et oh. Zen. Deuxième étape franchie. La troisième étape, je m'étais occupé des méchants alors que c'était franchement pas ce qu'il fallait faire. Il fallait dégommer et dézinguer tout ce qu'on pouvait. Je ne me ferai pas avoir une deuxième fois. Les méchants, je les ai désingués là. Mais je vais pas passer ma vie à désinguer les méchants dans la dernière partie. L'idéal, c'est qu'on désingue tout le Teratomo sans trop s'en préoccuper. Ah, les amis, ça se passe bien, ça se passe bien. Les enfants, tout va bien. Papy, il gère, vous avez vu ça? C'est assez extraordinaire quand on y pense. Hein? Quand on connaît le niveau de papy, ça fout même un peu les jetons, je dois dire. Mais papy gère. Eh oui, papy gère. Il gère comme un pro. Hein? Voilà. Bon, les vrais vous diraient, pas besoin de reprendre de la vie, de passer 3 heures, blablabla. Mais papy préfère, hein? C'est quand même un peu plus sûr. Parce que tout à l'heure, la première fois où je l'ai tenté, hein, ça s'est joué à pas grand chose, donc. Allez, prêt pour le dernier round. Ah, c'est parti. Main Kiki. Allez, tire là-dessus. Lâche-moi cette saloperie. Teratomo 2002. Allez, on tire. Bon. Bon. Allez, tout va bien. Allez, encore. Allez. Allez, là-bas, il y a un 9 de 4, là. Vas-y, le cluster. Tu te tapes le cluster. Le cluster, viens. Pourquoi tu tires pas sur le cluster? Allez. Allez, là-haut.
Allez, pêche à papy, allez. Allez, il y en a trois. Voilà. Ok. T'énerve pas. Tout ça, ça marche très bien. Oh putain, c'est pas vrai! Ah, c'est dur! Bon, peut-être que ne pas s'occuper des gros vilains est finalement plus problématique qu'il n'y paraît. C'est possible. Écoutez. Bouillant, ça va. J'arrive. Tu vas moins faire le malin. Mais oui, mais c'est ça, on lui dira. Hop là. Allez. Tire sur la suite du toaster. Tire encore sur la suite du cluster là. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi, papy. Dépêche-toi, papy. Dépêche-toi, papy. Dépêche-toi, papy. Eh ben alors, qu'est-ce que t'attends, papy? Allez! Allez! Hop là. Tu sais quelle est ma fleur de vie, s'il te plaît? Parce que là, je suis sur le point de me faire dégommer la gueule dès le premier tour. Ce qui n'est pas, au lendemain des élections, une bonne idée. Ouais, mais laisse-le s'exciter, laisse-le s'exciter, laisse-le s'exciter. Récupère de la life, c'est tout ce qui compte. Vas-y, mon papy. Et tu tires là-haut. Allez. Dépêche-toi. Ah. Voilà. Regarde. Finger in the nose. Vraiment, la difficulté, c'est la dernière partie. Hein. Ça canarde un peu partout. C'est un peu compliqué. Faut désinguer les bestiaux en premier, je pense. Hein. Vraiment, sincèrement, c'est le... Je pensais pouvoir m'en passer, mais non, je ne peux pas me permettre de me passer de buter les bestiaux. Non, mais on est pas mal. On est pas mal pour l'instant. Faudra voir la suite. Hein. Allez, tout le monde... Ah non, on n'est pas prêt encore. Attends, papy, qu'est-ce que tu fous? T'as pas toute ta vie, mais même... Sans déconner, un cran et demi, ça peut faire toute la différence, hein, les enfants. Je vous aime bien, mais un cran et demi, ça peut faire toute la différence. Donc, merci d'être vraiment au taquet du taquet pour la vie. C'est quand même vachement mieux. Attention. Deuxième étape, Teratomo. Deuxième attaque. Deuxième étape, c'est parti, mon kiki. Allez, dépêche-toi là-haut. Ch'tac. 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 Il est déjà tout détruit, l'enfoiré de merde. Trop fort, papy. Attention. Vas-y. Là, il vient de lancer les bestiaux. Putain. C'est bon. Allez. On tire sur la bestiole. Ça
Ah ben non! Mais pourquoi tu restes sur la plateforme quand c'est le feu, papy? Je comprends pas, là. Bon. On voulait y aller du premier coup. Mais putain, si ça passe pas. Et alors, le problème qu'on a surtout, c'est qu'on a régressé. Entre la première tentative et la deuxième, on a quand même régressé. Mais ça va venir bon, je vous le dis, ça va sentir bon. Ah, allez, on y va, c'est parti. Moi aussi, je peux le faire, le rire de Débilus. Attention. Oui, blablabla. Tu me fais même pas peur, Kiratomo, tu vois. Voilà, regarde. Y a même pas de quoi stresser. Bon, pour la suite, ça va être un peu plus raide si jamais t'es pas plus mobile que ça, papy. Hein. Faut garder en tête la mobilité. La mobilité, c'est la clé. Si tu es mobile, tu vas t'en sortir, mon papy. Si tu n'es pas mobile, tu ne t'en sortiras pas, mais je te connais, tu vas être mobile. Et tu vas jouer, comme ça tu seras un play mobile. Et ça, c'est le plus important, c'est que le jeu soit mobile, le play mobile. Non, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Playmobil. Mais si un responsable de chez Playmobil passe par là et trouve que ce serait une bonne idée, ma foi, moi je suis preneur, hein. Ah oui, oui, bah y a pas de petit profit, mes pauvres enfants. Allez, papy, il a remis la vie au max. On est reparti pour un deuxième tour. Allez, cette fois-ci, on va éviter de perdre notre vie une deuxième fois bêtement, s'il vous plaît. Terramoto, troisième attaque, deuxième phase. C'est parti, mon kiki. Mon salaud. Oh ouais, mon salaud, allez, vas-y, tiens, regarde, la grosse pustule, la... j'ai dit la grosse pustule, la... Hein? Ah, regarde ça, c'est pas beau, ça? T'as vu, papy, comment qu'il a réussi? T'as vu la branlée qui t'a mis, papy? Hein? Tu l'as vu, mon salaud, la branlée? Alors, attention. Ils sont où? Bon, je sais pas où est le deuxième. On a eu les deux? Sans déconner, on a eu les deux? Mais oui, c'est qu'il se réveille, ce con. Ok. Papy, si tu veux bien te bouger. Ok.
papy. Non mais papy il a pas envie de crever, donc papy il prend son temps. Voilà. Oh, ça c'est bon ça. Oui, c'est bon, ça, papy. Vas-y, vieux. Allez. Allez, on retire sur le gros, maintenant. Allez. C'est bon. Ou presque. C'est bon. Ah, c'est bon, deuxième pause, là. Papy, t'étais chaud, là, encore, hein. T'étais chaud patate, mais tu l'as presque eu. Allez. Allez, mon papy. Ouh, lolo, ça se complique par moment, là. Quand tu commences à te désordonner, il faut que je reste concentré. C'est un peu compliqué par moment. Je suis braqué, j'essaye de tirer sur un truc et je fais plus gaffe, ou moins gaffe à l'environnement autour. Et c'est un véritable problème parce que du coup je devrais être plus mobile que je ne le suis ou pas au bon moment. Et c'est mauvais signe pour moi. On va se remettre de la vie au max. Tout va bien se passer. On va essayer d'être le plus mobile possible. Dans le temps, on va commencer par taper au fond. Si j'ose dire. Allez, vas-y, recharge la vie, voilà. On tire sur ce qu'on peut sur les plateformes. Ensuite, on se déplace pour aller recharger de la vie dès qu'on peut. Dès qu'on peut la vie. Dès qu'on peut la vie, on va la recharger. Tu m'entends, papy? Dès qu'on peut, on la recharge, la vie. Hein? Dès que c'est possible, on la recharge. Faut pas traîner, faut pas hésiter. Hop là, hop là. Hop là. Voilà. Voilà, cette fois-ci on est bon pour Teratomo. Troisième attaque et troisième prise. Attention, troisième séquence. La plus importante de toutes, peut-être. Je recharge mon arme avant. C'est peut-être la dernière. Le dernier set, le dernier point. Les arrêts de jeu, c'est le Money Time contre Teratomo. Allez, on y va. Sur quoi qu'on tire là-haut? Eh oui, bien sûr. Tu crois que je t'ai pas vu venir ce coup-ci? Allez, vas-y, tant qu'on peut tirer là-haut. Fais-moi les quatre. C'est bien ça. Là. Perds pas le temps tout de suite, papy, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Pas le faire. Il est où le dernier? Ah! Attention. Là, attention, on tire. Ça c'est bon. Vas-y, dégage de la papy. Tu l'as presque, tu l'as presque. Vas-y papy. Tu l'as eu. Papy, tu l'as eu. Oh, même pas la moindre hésitation.
Oh, papy, t'es ratomo et vaincu. Non. Ah, alléluia, alléluia. C'est fait, les amis, c'est fait, les enfants. Papy l'a fait, papy l'a fait, papy l'a fait, papy l'a fait. Ne tombe surtout pas, s'il te plaît. La grosse truc est tombé. Oh, qu'il est pas beau. Mon Dieu, qu'il est pas beau. Attends, regarde comment on va voir comment qu'il est pas beau. Oh là 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 là. Regarde-le. Oh là 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 là. Attends, on va... Ah non, je ne peux pas immortaliser ça, le mode photo n'est pas disponible. Oh, c'est ton... Ah oui, vas-y. Vas-y, papy, ramasse la graine. Ah ben non, mon salaud. Mais... Ça, c'est du générique de fin. Ah, je boude pas tout à fait mon plaisir, je dois dire, mais on va peut-être pas aller jusqu'au bout. Alors les remerciements particuliers de Typhon à Kelly Trinet, Kate Blob, Kevin J, et oui, il y a même un Kevin qui a travaillé sur ce jeu, et on fait des gros bisous à tous les Kevin d'ailleurs, oui, Alti Abari, Renaissance PR Team, Barbara Farina, David Savage, et oui, il y a un David Savage, le sauvage. Remerciements sarcastiques de Typhon pour Karl, oh, j'aime beaucoup. Timon ne remercie pas Waverdi, Dan Pizzer, Bertil D, chez Zenza Dishwater, Smongaïs. Mais c'est qu'il y a de l'humour jusque dans le générique. Il y a même les bébés de production, les testeurs chez les amis et la famille de Typhon. Eh ben, dis donc. Ou comment meubler sur un générique. Bon, on va s'arrêter là, hein, parce que là, on arrive chez l'éditeur. Bon, l'éditeur, le directeur marketing, le directeur marketing mondial senior, le directeur marketing MEMA, le directeur marketing royaume... Eh ben, ça va, il y a du directeur marketing là-dedans. Ah ben, tu m'étonnes qu'il y ait 25 à 40 boules après, c'est qu'il faut les payer tout cela. Attends, il y a les vice-présidents des ventes, le vice-président des ventes MEA 11, le directeur des ventes FRA, le directeur des ventes GAZ... Ben celui qui vend des gaz, des services de création, le gestionnaire assurance qualité globale. Putain, il y a moins de testeurs que de directeur marketing. Hein. Heureusement que le jeu était bon. Ah, il y a du FQA. Testeur de conformité, conforama. Chef d'équipe, comptabilité. Un testeur de compatibilité. Ah non, compatibilité, pas comptabilité. Oh, excusez-moi. Je croyais que c'était la compta, mais non. Alors ça, c'est des petites lignes chiantes, ça. C'est le truc qui dit qu'ils prennent vos données, qu'ils les vendent à n'importe qui, et que si t'es pas content, c'est la même chose. Et vous voyez, paragraphe 7, désistement de garantie. Si le jeu est pourri, désolé, ça n'est pas, entre pas dans la garantie. On est au bout. Alors, je suis resté au bout. Pourquoi? Parce que souvent, les génériques un peu marrants, il y a un truc après, voilà. Aïe. On est ressorti du Nunus. Et oui, je suis vivant.
Ok, j'ai perdu. Pendant que notre contact radio était interrompu, le PDG m'a littéralement noyé sur un déluge de messages concernant l'artefact que t'as récupéré. J'ai donc inscrit que t'avais accompli ta mission. Tu peux dès maintenant ravitailler le Javelin en carburant et monter à bord pour entreprendre le voyage jusqu'à la Terre. Ben, si c'est ce que tu veux. Si c'est ce que je veux. En fait, t'es loin d'avoir fini d'explorer la planète. Je comprends que tes expériences récentes te donnent envie de vomir, mais je tiens à te rappeler que tu vas recevoir des généreuses récompenses si tu accomplis toutes les tâches qui te sont confiées avant de retourner sur Terre. Ouais, okay, mais la tu sais... dernière créature... Oh, c'est pas vrai! Sérieux, ça me rappelait quelque chose. On aurait dit de la viande un peu douteuse dans les dim sum. Ah. T'as fini, cocotte, on peut y aller? Ah putain, sans déconner, étage 4 de la chambre forte. Ah parce que maintenant, il y a carrément un téléporteur pour aller à l'étage 4 de la chambre forte. C'est-à-dire pour descendre en fait chez le cadavre de Terra Tomo. Bon, et maintenant, est-ce que je peux... Et je peux toujours pas prendre le mode photo, il ne marche pas ici. Je peux pas. C'est un truc de fou. Je peux même pas prendre une photo de Terra Tomo. Bah, c'est incroyable quand même. Mais pourquoi je peux pas? Pourquoi je pourrais pas prendre une photo de... Ah si, c'est parce que j'étais trop près. Regarde comme il est beau. Ah, distance focale, tout ça, champ de vision. Magnifique mode photo. Oh. Bonjour Terra Tomo mort. Ah ah ah. Oh, c'est magnifique ça. Alors attends, comment je fais pour changer de filtre? Ça y est, les gens vont se dire mais il se fout de la gueule du monde, papy, il a rien suivi lui. Hein. Non, j'avoue, j'avoue que j'ai pas trop pris de photos dans ce jeu encore. Donc, la pause... Ah, c'est pause, voilà. La pause par défaut. La pause sérieux, la pause prêt, la pause bang bang. Ah oui, bang bang! Magnifique, la pause bang bang, elle est géniale. Elle est géniale. En mode Kindred, non. Oh, c'est beau, ça! Oh, attends, c'est beau, ça! Oh là là, oui, attends. Hop. Magnifique. Ah oui, alors là, c'est 1986, oui. 1996, c'est mieux. ASCII. En code ASCII, c'est ce que c'est laid en négatif. Alors c'est beau aussi, ça, on peut. On immortalise le moment. Hein. On immortalise le moment. Ok. Magnifique. Attends, je vais me mettre comme ça pour faire un selfie. Ah bah oui, je vais faire un selfie avec Terra Tomo. Enfin, je veux dire, je suis obligé de faire un selfie, quoi. Ah, oh, j'aime beaucoup le... Effrayé peut-être, fausse chute. Ah ah, seul. Encore les doigts canons. Et pas secoué. Ah ah, hurlement dramatique, point dramatique. Allez, je ne peux pas me lever, je vais mourir. Magnifique. Et surpris. Et très surpris. Ah, pas moison, bébé. La planche peut-être mort, relaxée, calme avec un petit doigt fier. Bienvenue au vieux gamer, bienvenue au vieux gamer. Allez, on en prend une dernière. C'est génial. Sur ce, les gens, eh bien, écoutez, voilà. C'était la pause de la victoire. C'était la fin finale. Nous allons, non, nous n'irons pas jusqu'au bout, car papy n'est pas de ce genre.
Papy n'est pas là pour faire du polish, papy n'est pas là pour platiner, papy est là pour s'amuser, et une fois qu'il a fini de s'amuser, l'idée de passer encore 3 heures à essayer de récupérer le moindre blob, ça n'a plus aucun intérêt pour moi, c'est la raison pour laquelle nous allons en terminer. Nous allons en finir là, maintenant, oh là, tout de suite. Que tu te vois déjà en train de prendre ce coup sur Terre, maintenant que tu as tué cette chose. Mais ouais. Non, ton rêve aurait pu devenir réalité si t'avais pris la peine de ravitailler le javelin. Kindred te réserve encore plus de récompenses si tu achèves la totalité de tes tâches avant de t'envoler pour la Terre. Grob, une pâte mégamorphologique ultra-licieuse en... Tu sais quoi, je t'emmène à la campagne. J'ai décidé que je partais. Tu vois, on y va, on rentre. Même si je souhaite plus que tout de faire décoller cette navette vers la Terre pour que tu puisses retrouver tes proches, si t'en as... Mais je pourrais pas le faire tant que t'auras pas trouvé une source de carburant fiable sur cette planète. Enfin, du carburant, je t'en ai ramené plein. Tu te fous de moi? Mais enfin... Mais enfin, c'est une blague. Et je lui en ai trouvé plein du putain de carburant. Là. Eh oui. Voilà, terminé. On lit sans partie le carburant tout en donnant, il va falloir encore plus si je veux pouvoir retourner sur Terre. C'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. Eh bien, écoutez les gens, moi ce que j'en dis, c'est qu'il est hors de question. Non, il est hors de question. Il est hors de question. Non. Je vais quand même pas rechercher encore deux machins à carburant, je sais pas où, je sais pas comment. Eh bien, notre ami explorateur va s'installer sur ARY-26, il va prendre beaucoup de plaisir sur cette planète. Il va s'amuser, il va s'éclater, mais ce sera sans nous! Car nous allons mettre fin ici à nos pérégrinations sur ARY-26. 20 épisodes, c'est bien suffisant. Teratomo mort, c'est bien magnifique. Nous aurons fait finalement l'essentiel. Et l'essentiel n'est-il pas le plus important? Quelque part, oui. Si un jour l'envie me prend que le temps devant moi est suffisant, alors peut-être un petit bonus pour le retour sur Terre. Mais sinon, on peut considérer que cette aventure s'achève ici. Ça aura été un immense plaisir de la faire avec vous. Un immense honneur que de mener cet explorateur vers les honneurs. Non, ça rime en... J'ai cherché une rime en heure, mais du coup, c'est une répétition en ion, là. Hein. Beaucoup de bonheur d'amener cet explorateur à l'heure. Hein, voilà. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Non, pas à tout à l'heure, mais à bientôt. Allez, les gens, je m'arrête là parce que papy bafouille, papy dit n'importe quoi. Il y a un moment, faut savoir se dire adieu. Enfin, au revoir. Faut savoir dire stop, faut savoir dire non, faut savoir s'arrêter. Le moment est venu de le faire sur ARY-26. Ce fut un véritable plaisir. Sur ce, je vous donne rendez-vous à très très bientôt pour de nouvelles aventures de papy ailleurs, sur un autre jeu. Et c'était donc Papy on live from ARY-26. À vous les studios, pour de bon, définitivement. Ciao.